Et enfin, pour terminer, célébration chez nous, c'est le 14 juillet. En Allemagne, c'est le 3 octobre, donc demain. Comment se prépare Angela Merkel à la fête nationale? Réponse payante en images gratuites. Stock shot. Plus ça va et plus vous devenez professionnel. Ah bah, tiens-toi droit, plus j'adasse. Là, on y croit. Demain, mardi 3 octobre, les Allemands célèbrent leur fête nationale qui commémore depuis 1990 la chute du mur de Berlin et la réunification des deux Allemagnes. Alors qu'en France ou aux États-Unis, la fête nationale est souvent l'occasion de montrer sa force et son patriotisme, le peuple allemand fait généralement preuve d'une plus grande discrétion dans ses célébrations, témoignant d'un regard plus détaché face à sa propre histoire. Cela n'empêche pas certains partis d'extrême droite allemand de récupérer l'événement, comme l'année dernière, où les célébrations prévues par la chancelière Angela Merkel se sont transformées en grandes manifestations contre sa politique jugée trop laxiste envers les migrants. On peut parier que cette année encore, les événements vont être compliqués pour la chancelière, puisque la semaine dernière, pour la première fois depuis 1945, les Allemands ont laissé entrer au Parlement un parti d'extrême droite, anti-migrants et anti-islam. Une première date importante pour le mandat d'Angela Merkel, donc, à un moment où l'Allemagne n'a jamais semblé autant désunie.